Justine ? Oui, monsieur Poyac. Je voudrais passer un petit week-end original. Je vous confie une petite somme d'argent et vous m'arrangez ça. D'accord. Le principe, c'est de s'en garder au moins la moitié. Il faut que j'organise un week-end de rêve. On va tous se refaire. Jocelyn, capitaine, Albin, commercial. Personne ne se connaît. On dirait qu'on prépare un hold-up. Mais oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. Bonjour, Franck. Je suis votre capitaine. Et vous dites mon capitaine. Voilà. Voilà, c'est bien. Très bien. Il faut rester élégant, raffiné. J'ai mon poste en jeu, donc il faut que tout soit de très, très grande qualité. Oh, les croûtes. La petite vache, je l'adore. 3 000. Ah, la raison, faut le faire cracher. À chaque écluse, il faut payer 50 euros. Il la frappe ? C'est qui, ce type ? Quoi ? Non, mais ça va. Hein. Mais toi, tu commences à m'emmerder, là, avec ta jalousie à la con. Justine, excuse-moi, on est dans une panade inouïe. Il n'est pas question qu'ils conduisent le bateau, hein. Je me demande comment ils peuvent croire encore à cette histoire. Là, vu que ce vin midi qui était de la super piquette. Je vais pas faire le même mec à chaque écluse, quand même. Tu te déguiseras. Chacun respecte son engagement. C'est une catastrophe, hein. Permets-moi de te le dire. Mais c'est derrière toute. Mais pourquoi vous gueulez ça, puisque c'est vous qui manœuvrez le moteur ?